欧洲地区严重干旱，裸露的河床却。Artista suizo François Montou construir impresionantes esculturas de 维和的河床上建造一座泥塑之城。لم أكن أتوقع أن فعل هذا لفترة طويلة، لكن الجفاف ساهم في. Donc chaque nouveau bâtiment est une invitation à construire la suite de la ville. Me encanta la naturaleza. Salgo mucho y me entristece ver cómo. Фото действительност влизам в тяхната. И виждам как техният свят се ражда под пръст. Уже 6 недель я работаю над этим каждый день. Я, вероятно, остановлюсь, когда пойдут сильные дожди, поскольку не смогу. An einem Fluss, der normalerweise diese Jahreszeit voll Wasser ist. C'est l'idée qu'il y a des gens qui habitent vraiment cette ville et donc ils ont besoin d'après avoir un pont, avoir une porte. Every day. I will probably stop when the rain gets too heavy and I won't be able to construct. 取材利用河床黏土雕塑出一个大型城。I did not expect to do this for so long, but the drought contributed to the increase in the size of the city. 欧洲国家正面临史上最严重的干旱，瑞士也严。Quand une idée naît, le plus gros danger pour cette idée, pour cette petite chose, c'est la raison. Le fou, c'est ce symbole-là, celui qui est complètement protégé de la raison. Lui, il y va et toutes les idées, il ramasse une petite fleur, il voit un papillon, il court après. Toutes les idées naissent en lui et prennent directement parce qu'elles sont toutes protégées de la raison dans le fou. Aujourd'hui,